Jérusalem sous haute sécurité. Pour endiguer la violence, Israël ne lésine pas sur les moyens. Partout, des policiers et des soldats appelés en renfort. Des postes de contrôle supplémentaires ont été installés à l'entrée des quartiers arabes de la ville sainte. Une mesure qui ne fait qu'ajouter à la colère de la population palestinienne et qui ne semble pas servir à assurer la sécurité, selon ce Palestinien. Cela ne changera rien, même s'il y a plus de soldats, plus de sécurité, s'ils mettent plus de points de contrôle et même s'ils bouclent certains quartiers. La seule chose qui peut faire bouger les choses, c'est de mettre fin à l'occupation de Jérusalem-Est et de donner quelque chose à l'autorité palestinienne. Pour les Israéliens, la peur est au coin de la rue. Les passagers sont devenus rares dans les bus. J'ai peur d'être dans la rue après 22 heures. Les jours ordinaires, je sors du travail à 22 heures et la rue est vide. Ça me fait peur de marcher quand il n'y a personne. Vous ne savez pas si un terroriste va surgir de quelque part pour vous écraser, vous poignarder ou vous attaquer. Ce n'est pas facile, mais nous ferons face. Malgré les tensions, les touristes continuent de visiter la ville sainte et ne semblent pas inquiets, comme en témoigne cette Américaine. Je ne pense pas que la menace soit dirigée contre les touristes. Il est très clair que tout cela est lié au conflit israélo-palestinien. Il y a une énorme présence policière, on se sent en sécurité.